Welcome to my channel, Taking Wheels with Pat, sur la partie française dans la description. So today it's day 7, so I thought of doing the 10 things I like about the MG5. I want to do a part 2 with the 10 things I don't like, because there is nothing I don't like, and last time I burnt my wings on that one, so I'll avoid this one. So there will be only one video about the 10 things I really like after 1 week of using it. So let's start with the first thing. So we go, follow me. We go out. I'm going to show you the number one. Number one is the color. The MG5 facelift comes in 4 colors. There is a gray, there is a black, there is a red one, and there is a white one. So I had the choice between black and white, but when I saw the white, I liked the fact that all the black molds and the rims and everything pops out in contrast with the white one. So that's the first thing I liked. The number two is the design. It looks different. You know what I mean? I mean, it's not a car that you see every day. If you see the front, it looks a little bit mean, but with style. I mean, it's quite hard to explain, but I mean, I really like the design, and I like the fact as well that you have the charging port in front, and that they did a lot of upgrade in a way that you have as well, like the new ZS facelift. You have as well the mark here that shows you how far your battery is charged, so you don't have to open the apps and so on. And that those two are separated. If you see here, you have the top one, which is separated with the bottom one. So when you draw a little bit harder top one, the low one doesn't go down, and it's quite well insulated. So that was the part 2. So we'll go in the back. Sorry, it was raining, so the car is a little bit dirty. That's what it is as well with a white car. The space in the boot. I just went shopping, and this is say hi, Maurice. There is a lot of space in the car. This is well why I wanted to have a station wagon. Point 4 that I like, the seat. Something is called the zero gravity seat. I mean, and there is something special with those seats. It's first of all the foam. It's a little bit harder. It's memory foam, but still it's a little bit harder. So it's like a sports seat with feeling, or with a little bit of a luxury feeling in when you sit in it. And you can see there is a handle here on the left side, and when I pull the handle down, you can see that the seat gets harder here, and it's to protect your lower back. So when you do long rides, you can have extra padding on the lower back, and you can adjust it according to how you drive. So that's the first thing. Let's go in the car now. So I have to consult my list as well sometimes. Here on the side as well, the steering wheels, you can adjust it up and down and forward and back. So that's one thing I liked as well. And it was factice, the steering wheel was 0.5. I like the infotainment and the gauge. If you see, the gauge is everything is digital. The Blanc, there is only one, but it reminds you that in the past there was a few for those that had the first version of the ZS. The infotainment is very responsive, and it has a few features that I can make a video next time on it. And
But everything is placed. I mean, you have the heating, which is here, so it gives you control over it. You have the home button. You have a front and back to defrost the front and the back. You can do it through the app as well. And you have plus and minus volume. All what you need on the touch, on the buttons, is here. So it's really nice. So the infotainment is number 6. Number 7, I like the console here, the new console. You have a lot of space here to put glasses and other things. I have keys and stuff here. And I like the gear selector, which is now it's like glass, so it's no sharper edge. And actually underneath, that's where my mobile sits. And you see there is a lot of space to have other things down there, either to charge or just to place, so it doesn't look messy when you have the car parked, so you can hide a few things down there. So that's number 7. Number 8, there is, I'm done with most of the interior of the car. Number 8 is the noise. So when you drive the MG5, it's quiet. So less noise, and I really appreciate. I feel you feel as well a little bit secure, and it's quite interesting to not hear that much of what's happening outside. So it's quite there is a good noise reduction in the car. Talking about noise, the engine as well, it's number 9. It's something I really like. I like the engine. It has plenty of power. It's not it's enough, so if you have to take over, you can take over, so it's enough power. And so it's really, I mean, I don't need more. So if you have the possibility to try one, you will see that it has enough power. 156 horsepower. I mean, electric, you know what that means. You can take over no problem on the motorway and so on. And as well, the wheel, I didn't manage, between you and me, I didn't manage to make a wheel spin with MG5. It's not possible. You just give a pedal to the metal and it just kicks you in the back of the seat, and that's it. I mean, it holds quite steady, so it's a really nice it's a nice feeling as well, that you don't burn half a meter of tire before the car starts. That was number 9, the engine, and number 10 is the kilometer. I mean, the kilowatt hours. That car is new, so until everything is sorted out in the car and it has driven a little bit, it usually takes a little bit of time to get a low consumption, but the consumption is really, really low. I mean, I'm at, I used to be with the ZS at around 18, 19, up to 20 in the winter, and with the MG5, I'm at 15-17, so about 2 kilowatt hours, 400 kilometers lower than the ZS. And I think it's not a complaint, but I think it's because the car is a little bit more aerodynamic, and as well the engine, I feel that the engine doesn't need that much power to move the car. So not that the car is lighter, but the engine seems to need less electricity to move the car. So that's it for this episode. So please don't forget to comment, give me a little like. If you have something you want me to talk about on the MG5, let me know. And don't forget to subscribe. Okay, we see each other in the next episode. Bye bye. Donc, la partie française. Alors, je fais une vidéo des 10 choses que je trouve super dans la MG5 facelift.
Donc, suivez-moi, on va prendre la première. Je prends mon petit bloc-notes avec. Donc, eh oui, blom blom. Donc, la première, c'est donc la couleur du véhicule. J'aime beaucoup le blanc. La MG5 facelift vient en quatre couleurs: noir, métal, gris métal, blanc et rouge. Donc, moi j'ai choisi blanc vu que j'ai trouvé que les détails noirs sortent beaucoup plus sur le blanc et que toutes les lignes sont un peu plus marquées avec le blanc. C'est un choix personnel, mais donc voilà un truc que j'aime bien. Le deuxième truc que j'aime beaucoup, c'est le design du véhicule. C'est un design quoi spécial, donc un peu méchant, mais avec du style. Donc je sais pas, donnez-moi vos commentaires, comment vous trouvez ce véhicule. Un truc que j'aime bien aussi qu'ils ont fait, c'est comme pour la nouvelle ZS, vous avez la batterie, la charge. Quand vous chargez, vous voyez jusqu'où, combien de temps il faut jusqu'à ce qu'elle soit chargée à fond. Et puis, les boutons ici, les bouchons ici sont séparés. Avec la première ZS, ils n'étaient pas séparés. Donc quand on tire un peu trop fort sur le premier, il y a tout qui vient, mais pas avec ça. Et puis, il y a du caoutchouc partout, donc là vous pouvez prendre la flotte à l'avant, il n'y a pas de problème. Donc numéro 3, l'espace. L'espace, désolé, il est un peu sale. On a eu un peu de pluie aujourd'hui. Donc, salut Maurice. Et voici, du moins pour une famille, deux gamins. Aucun problème, les valises, tout passe aussi. Un super espace, c'est hyper hyper grand. Donc ça, c'est le point numéro 3. Le quatrième point, l'intérieur. Oui, il va faire blanc blanc. Donc, le siège, zéro gravité. Donc, vous voyez qu'il y a une manette ici. Quand je tire la manette, on va attendre 2 secondes, il y a un camion de pompiers qui est en train de démarrer, qui est en train d'arriver ici. Donc quand je tire la manette du siège, la partie ici du bas du dos, elle devient un peu plus rigide. Ce qui veut dire que quand vous faites des longues routes, vous pouvez avoir plus rigide. Ou si vous faites des trajets très courts, vous pouvez avoir moins rigide. Le siège, comme dit, zéro gravité, c'est aussi, ils appellent ça memory foam. Donc c'est une mousse à mémoire qui est un peu plus dure qu'une mousse normale. Donc c'est un peu comme un siège de course dans un sens, un peu les sièges baquets, mais avec une bonne mousse quoi. Donc c'est vraiment sympa à s'asseoir dedans. Donc, qu'est-ce que j'avais dit, les sièges, ouais. Le volant, donc je retourne. Le volant, il est réglable hauteur, bas, avant, arrière. Donc, complet réglable hauteur et tout le tremblement. Donc ça, c'est un truc aussi que j'aime beaucoup. Vous voyez aussi ici, j'ai tout est digital. Donc ça, c'est la partie l'infotainment. Donc l'infotainment est super super bien. Donc c'est le point 6, l'infotainment. Tous les boutons qu'on a besoin, donc la température est ici. Réglage de radio plus fort, moins fort est ici. La maison, home, est ici. Ici vous pouvez arrêter ou mettre en marche la ventilation pour chauffer la vitre avant et la vitre arrière. Donc tous les boutons que vous avez besoin sont ici. L'infotainment, il y a aussi plein d'autres boutons que vous pouvez utiliser et autres. Donc moi je vais faire une petite vidéo par la suite sur l'infotainment. Très très réactif aussi. Donc ça passe très bien avec caméra 360 degrés. Donc, vous pouvez aussi choisir où vous voulez que l'image soit faite. Donc ça, c'est sympa. Donc ça, c'était
la partie 6. La partie 7 que j'aime bien, c'est la console. Donc vous voyez le sélecteur de vitesse est une en fait un miroir, une vitre. Ça peut être un bouton plastique ou quoi, mais il n'y a plus d'angle coupant dans le sens que c'est hyper lisse quoi. Et puis sous la console aussi, vous voyez là, c'est en général là où je mets mon téléphone pour charger. Et il y a beaucoup de place pour mettre d'autres choses, pour cacher d'autres choses. Donc quand vous quittez la voiture, ça ressemble pas comme à un chantier quoi. Donc 7 la console, la partie 8. Donc je ne sais pas si vous entendez, mais on n'entend pratiquement pas le bruit extérieur. Donc l'isolation du véhicule, du son est impressionnant. C'est peut-être pas un des meilleurs, c'est peut-être pas un des plus mauvais, mais moi je trouve qu'il y a eu du changement, il y a eu une évolution. Et même les passagers que j'ai avec, qui d'habitude roulent avec moi dans la ZS, ont la même réaction. Ils disent super, super, on n'entend rien, c'est vraiment sympa quoi. L'autre truc, c'est le moteur. Donc le point neuf, c'est le moteur 156 chevaux électrique. Donc ça tire bien. Je sens qu'il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup plus, de pêche ou beaucoup moins de pêche. Elle a ce qu'elle a besoin de pêche. Moi, je l'utilise, je mets jamais sur sport et j'ai pas besoin d'ouvrir comme un malade. Mais si vous avez besoin de dépasser ou autre, il y a assez de pêche quoi. Elle tire vraiment bien quoi. Et le truc, c'est que aussi j'ai à titre d'information, j'ai essayé aussi, j'ai mis sur sport et puis à l'arrêt et appuyé à fond sur la pédale d'accélération. Et les pneus ne sifflent pas, il n'y a aucun sifflement de pneus. L'électronique est réglée d'une façon que je ne sais pas comment ils vont, mais à fond, la pédale au plancher, ça tire et puis elle part, quoi. C'est incroyable. J'ai pas réussi à faire siffler les pneus. Pas que j'essaye, mais j'ai pas réussi. Donc j'ai essayé trois fois, mais ça marche pas. Et puis donc voilà. Donc c'était la partie 9. La partie 10, c'est le kilowattheure. Donc la première génération ZS EV, j'étais aux alentours de 18 kW. 18 kW en été pour 100 km de consommation et en hiver aux alentours de 20-21 kW de consommation. Même trajet. Avec la MG5, je suis à 15 kilowatts par 100 km et 17 kilowatts par 100 km, donc 2 kWh de moins. Bon, la batterie est aussi un petit peu plus grande, mais je pense, et puis la voiture est encore pas rodée, donc c'est peut-être possible qu'à la longue, j'arriverai encore à avoir beaucoup plus de performance. Vu que c'est tout neuf ou autre, il faut que la voiture ait le temps de se rôder pour ça. Donc, ouais, voilà quoi. C'est les 10 points. Le 10e, c'était le kilowattheure. Ouais, c'est juste. Donc, un truc aussi. Je ne sais pas quand c'est qu'elle va arriver en France. Je ne sais pas si elle est déjà arrivée en France, la MG5. Si vous avez envie que je fasse des vidéos, laissez-moi un petit message. Il y a déjà la prochaine qui vient, c'est sur l'infotainment. C'est pour ça que j'ai été très vite aux alentours. Et n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de me mettre un petit thumbs up, un petit pouce. Et puis, envoyez-moi un message si vous voulez que je fasse d'autres vidéos quoi, sur la MG5. Donc, à la prochaine. À ciao, ciao. Et on se revoit. Au revoir.